Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ici on tricote. Aujourd'hui nous allons réaliser ce point. Alors il est vraiment facile, mais alors vraiment c'est un joli rendu. Hein. Regardez, il est vraiment beau. Mais alors facile, il est adapté même pour les débutantes, hein. C'est vraiment facile. Voilà, et l'endroit. Je trouve vraiment beau, moi, et simple. Donc on va commencer. Donc c'est un multiple de 2 et se fait sur 4 rangs. Alors par contre, bon, moi j'ai fait très peu de mailles et j'ai commencé à faire 2 rangs. Alors il vous faut une base, hein, c'est à dire qu'il va falloir que vous fassiez soit des côtes ou du mousse ou un rang en verre pour commencer à faire votre dessin. Donc on va commencer par le premier. On va faire donc une maille, donc endroit, on va les faire aller à l'endroit, et après vous tricotez les deux mailles ensemble comme ça, hein. Vous tricotez les deux mailles, vous ne lâchez pas, surtout pas. Vous tricotez celle-là et on lâche tout. On recommence, on tricote les deux, on tricote celle-là et on lâche. On recommence, on tricote les deux, celle-là. Et on lâche, on tricote les deux, la première, on lâche et on fait ça jusqu'au bout du rang. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Et une maille en droit. Le deuxième, on va le faire tout à l'envers. Et c'est simple comme tout, hein. Le troisième, on va le faire et ben à l'endroit. Le quatrième, à l'envers. Et on recommence sur le premier rang. Donc on va en refaire un, le premier, puisqu'il est facile. Donc on fait la première maille. Donc vous la tricotez ou vous la tricotez pas, comme vous voulez. On tricote 2. On lâche.
On tricote les deux. Et on lâche. On tricote les deux. Hop. Franchement, là, c'est une lettre de chez Action. Et ben, c'est pas le top du tout. Hein. Elle est vraiment pas terrible. Et une maille. Et voilà. Vous voyez? Et vous repartez un rang envers, un rang droit, un rang envers. Et vous allez répéter toujours ces quatre ronds. Et ce qui va vous donner ça. Et franchement, il est vraiment joli. Puis il se tend bien. Enfin, la laine, elle est souple. Hein, donc voilà. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime. Abonnez-vous pour ne rien louper. Et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.